Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match de Ligue 1 concours à Mac, qu'on va vous faire vivre. Pierre Ménès et moi, salut Pierre. Bonjour Hervé, salut à tous, je suis content de vous retrouver pour ce match. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de la S Saint-Etienne. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Et nous avons le plaisir de retrouver l'Olympique de Marseille. Le groupe qui sera attendu au tournant dans ces matchs de préparation et durant toute la saison. L'objectif n'est ni plus ni moins que le titre. Avec Christian Sanders. On s'approche de la zone de vérité. Il perd le ballon. Il avance encore. Dimitri Payet. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? De Grassard. Et l'attaque va s'arrêter là. Rémi Cabella. Romain Mouma. Lucas Ocampos. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Évine Monet Paquet. Le joueur qui a fait faute. Coup franc pour la Saint-Etienne. Touche suite à cette déviation. Jordan à ma vie. Bernard Germain. Lucas Ocampos. Exceptionnel du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses. Florian Thauvin. Ah, ça pouvait être une belle occasion, mais c'est finalement sans danger pour le gardien. Oui, le joueur adverse aurait pu être plus incisif, surtout à cette distance. Tant mieux pour le gardien, tu me diras. Samson. Et Marseillais qui tente de porter le danger dans le camp adverse. Valère Germain. Oh, le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Le ballon qui file droit dans la lucarne. De la puissance, de la technique. Un tir impossible à arrêter. Ce sont les Marseillais qui mènent. Le Christian Sanders. Sur le clutch. Rémi Cabella. Gabriel Silva. Et touche. Le ballon a été dévié. Mbouna. Hors-jeu, il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est même. Florian Thauvin. Dimitri Payet. Samson. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Mbouna. Et Stéphanois qui obtiennent donc un coup franc. Protège bien son ballon, il n'a rien à dire. Nice Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah non, oh là là, l'occasion. Le corner pour permettre peut-être à cette équipe de recoller au score. Ah, le corner est tiré. Oui, la frappe. Attention. Et le but. Ah, le coup de pied est tissé, toujours dangereux. On en a une nouvelle illustration ici. Un corner exactement joué comme il le faut. À voir s'il n'y a pas une erreur de marquage quand même à un moment donné. Saint-Etienne qui a donc trouvé la faille. Qu'est-ce que c'est bien fait là. Le corner est bien frappé et la conclusion est parfaite. Et voilà donc à égalité un but partout.
avec Christian Salnes. Rémi Cabella. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Allez, peut-être un truc à faire sur cette touche des Stéphanois. Gabriel Silva. C'est un corner pour les Stéphanois. Un corner à qui? Loïc Perrin. Oh, on y a cru à court instant. Mais ça frôle le poteau. C'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut, mais c'est le premier surpris à avoir passé le ballon à côté de moi. Les joueurs qui sont en place et les Marseillais qui viennent de lancer cette seconde période. Ça. Attention, elle est... ah, le bon décalage de Payet. Rémi Cabella. Eric. On a un moment. Badar Germain. Paul Bilon plutôt. Ah oui, il cherche un parti dans la profondeur. Un bon ballon d'attaque. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Sanson. Bonne anticipation sur cette passe. Allez, Christian Salnes. Là. On s'approche du but. Rémi Cabella. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein. Même en danger à ce point. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Et pour... oh, le but peut-être. Ah, il repousse, ça joue. Oh là là, pas loin du tout, ça. Ouais, c'était bien exécuté, cette reprise, sur le plan technique. Mais bon, parfois, il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Lorient Thauvin. Et ce ballon qui est perdu. Romain Mouma. Rémi Cabella. Robert Beric. En jeu, il est parti trop tôt. Et un changement côté marseillais. Jordan Amavi. Ce ballon qui est intercepté. Naïs Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Un centre tendu. On peut ça. Un petit peu précis sur ce ballon. Sanson. Thauvin. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Florian Thauvin. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Attention à la frappe. Bien repoussé par la défense. Changement dans le camp de l'AS Saint-Etienne. Allez, le corner. Anguissa. Ouais, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. L'OM qui marque sur cette action. On va revoir ça avec le ralenti. C'est un corner très très bien tiré. Avec une jolie tête à la finition. L'hiver qui s'est mené dans ce match. C'est pas de match. Là. Oh oui, encore une bonne passe. Et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. Au moins, on ne pourra pas reprocher à l'entraîneur de ne pas avoir tenté le tout pour le tout. Le changement de tactique est certes radical, mais c'est l'attaque qui va être privilégiée. Attention, ça peut être dangereux. Ballon Thauvin. Oh, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Encore 7 minutes à jouer. Allez, Christian Salnes. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression sur cette fin de match. Le
dégagement pour éloigner le danger. Touche pas mal placée là pour l'OM. Sanson. Dimitri Payet. Attention. Le gardien qui repousse. Sanson. L'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire. Il va essayer d'égaliser sur ce ballon, certainement l'un des derniers de ce match. Attention, parce que la menace est toujours là. La dernière minute du temps réglementaire. Il reste à terre après ce tacle. On va rester là dans ce match. C'est terminé.